Et salut tout le monde, c'est GraphiGoCraft et je suis en compagnie de Revan. Salut Revan. Salut tout le monde. Bon, après avoir dormi pendant deux épisodes, nous allons essayer de se réveiller et notre cher ami Revan va foncer comme un fou et moi je vais juste le suivre. Non, on va essayer, je vais essayer un peu de faire de combat, mais on va foncer. Juste que je le perde pas de vue. Ok. Donc voilà. Wouah! Ah, je te slague. Ouais. Hop. Voilà. Oui, c'est une vraie brutasse, ouais, je sais. C'est le contraire. Mais c'est vraiment tranquille ces tourelles en fait. Ouais. Tu les poses et c'est fini quoi. Et elles sont tellement cheatées. Ok, j'ai fail. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Pada 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 pada. Moi je suis Claptrap, Claptrap, celui qui parle pour rien dire. Je peux pas monter les escaliers. Trouvons un autre chemin. Oh, une grue. Trouve les commandes. Peut pas monter par les escaliers? Non. Oh le con. C'est son seul point faible. J'ai oublié de me mettre une nouvelle armure. Ce serait une bonne idée. Voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que tu dois faire, le Claptrap, aussi dans... Je te dis, suis-moi. Je suis gouré de chemin. Ah bah ça, si tu passais pas tout le temps dans Daimalu... Ouah, qu'est-ce que j'ai du mal... Ça devrait aller. Ah, j'ai failli tomber. Putain, je suis coincé. Hop, on avance. Et on va avoir le premier boss. Et c'est Capitaine Fleet, c'est ça? C'est ça. Putain, dire qu'il moi, il m'a fait fallu 3 heures de jeu pour aller jusqu'au Capitaine Fleet. Oh. Mais je sais vraiment pas jouer à ce type de jeu, c'est un truc de fou. Capitaine Flynn, je crois que pour un total de 4-5 combats que j'ai fait contre lui pour réussir à l'avoir. Ouais, j'avoue, la toute première fois que j'ai joué, ouais, je suis mort aussi au moins 4-5 fois. Ouais. Bon, on fait quoi, on le one-shot? C'est nos petits bonhommes à torture, les gars! C'est pas l'un des plus intéressants. Ouais, on y va. Il vient vers toi, il te balance des grenades, bon. Voilà. On y va. Et il a presque le même casque que moi. What? Ah, t'es déjà fini. Je suis pas là pour rigoler, moi. Ok. Les tourelles sont véritablement tranquilles. Ils en ont rien à foutre. Par contre, maintenant il faut réussir à aller jusque là-haut. Parce qu'il y a des trucs sympas apparemment.
Non, bah franchement, non, c'est le truc du début. Hein. Je te récupère, t'inquiète. Oh putain, un orange. Hey! Je suis monté tout en haut, moi! J'ai déjoué la loi de la gravité pour y arriver. Tiens, bah viens, t'es où? Je viens de descendre. Non, mais reste là. Je suis derrière toi. Pourquoi je perds des PV? Ah, je suis dans le feu! Tu es tellement petit. X, c'est ça? C'est ça. Allez, faut essayer à pied. D'accord. Oh putain. Du orange quoi. Ah, ok, t'as plus de place dans ton inventaire. Attends, non, mais justement, je vais te passer quelque chose en attendant. Faudrait juste qu'il le veuille. Ah bah voilà. Échanger. Ah attends, il m'en faudrait deux maintenant. Hop 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 hop. Bah tiens. Échanger. Ouais, un orange quoi. Ouais. Orange, c'est assez rare. Donc je vais tout de suite me le mettre, ça c'est sûr et certain. Oh yeah! Et puis le deuxième. Comme... Deux flingues quoi. Deux flingues, deux, les deux guns que je préfère. Là. Yeah! T'es passé où? Par là. Ok, il y a un truc par là. Le bateau. Le bateau. Attends, je mets les voiles comment moi? Le con. Ah là, d'accord. Ok, bon bah on est parti quand même. Mais j'ai sauté pour essayer d'atteindre, mais je me suis éclaté comme une grosse merde entre le bateau et le quai. Et ouais, faudra en gérer les sauts. Ça viendra. Ah là 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 là. Mais ouais, là, là, je suis content. Les armes que j'ai, en plus c'est des incendiaires, ça va être épique. Très efficace. Bon, je te laisse le blanc, mec. Ah, wouah! Ah, je me fais mal moi-même en fait avec mon arme. Ça m'étonnerait. Attends. C'est marqué quoi dans la description de l'arme? Attends, justement, c'est ce que je me posais la question. Très efficace contre les boucliers. Zoom. Fort probabilité d'effet d'élémentaire. Utilise 4 minutes sans partir. Ajoute un bonus de dégâts. C'est tout? Je peux en avoir. Ouais, c'est tout. Je pense pas que tu t'es fait taper par quelqu'un. Tu t'es peut-être fait taper par un garogo. Tête. Allez, on va tout de suite aller pirater le véhicule. Le véhicule. Vas-y. Oh! Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans la vie, une voiture gratuite comme ça? Changement de phase en cours. T'as qu'à vendre tes munitions, enfin tes armes ici, pour te faire de la place dans ton inventaire. Ah ouais, pas con. Non, je veux les vendre. Donne-moi une minute, je vais pirater l'autoloc. Il y a un taco piment dans le poche. Un piment taco. Ok. Ok. Ah, t'es déjà en train de prendre la voiture.
Ouais. Tu peux en prendre une à toi ou sinon tu viens dans la mienne. Bah, t'es déjà parti alors. Très élégant. Prends. Désormais, tu pourras très bien. Maintenant, va monter dans le véhicule. Bah tiens, je vais monter avec toi. Sera ravi de rencontrer la personne qui a tenu tête et survécu au beau Jack. Je lag à mort, c'est un truc de fou. Des fois, je vous envie, vous les bandits. Je t'ai dit, c'est ma connexion de merde. La bon, alors, on vous fait le début jusqu'à peu près Sanctuary, à peu près. Et en fait, la suite, on va faire ça par étapes. On pense pas, je pense pas faire un let's play total sur le jeu. Pas forcément la peine. Est-ce que d'être bon. Donc après, je vais m'entraîner un peu sur le jeu en mode solo avec mon ami Revan. C'est-à-dire sans vous. Et là, il y a un combat à faire, les gars. Bah, pourquoi tu peux pas mettre... Écoutez-moi, bande de sans pitié de mes deux. Vous entrerez jamais dans Sanctuary. Oh, minute, un chasseur de l'arche. Bouge pas. Attendez, je lui passe un écho. Alors, c'est toi dont tout le monde parle sur les ondes. Moi, c'est Roland. Avant, j'étais un chasseur de l'arche comme toi. Et puis, j'ai formé les pillards écarlates. On se verra à mon retour à Sanctuary. En attendant, j'ai besoin de toi. Waouh! On m'a dit que le caporal Reis n'était pas. Tiens, si tu veux faire un vrai combat, on a qu'à venir ici. On a besoin pour alimenter les boucliers de la ville. Ramène Reis à Sanctuary et tu auras gagné ta place chez les pillards. Roland t'a contacté? Bien. Écoute tout ce qu'il te dira. Il peut nous aider à faire tomber Jack. Ici le beau Jack. Je vous rappelle qu'il est inutile de vous faire de la bile pour ces petits séismes intempestifs. À chaque secousse, les foreuses se rapprochent de l'arche, de la liberté, de l'ordre. C'est sûr, on les voit là. Pour tous, sauf pour les pignons de Sanctuary, bien sûr. T'auras le droit de m'appeler papa. J'en ai marre. Fini les fêtés. Ah ouais, ok. Bah quoi? Oh. En fait, comme je suis là, les véhicules sont de mon niveau. Tu prends le véhicule là, tu fais autant de dégâts que moi. Duel, duel. D'ailleurs, comme tu peux le voir là, t'as 4 millions de ouais, 4 millions de points de vie. Alors c'est vrai qu'on lag énormément, c'est un truc de fou. Wow. Bon sang. C'est pas comme si on était en sureffectif. Trouvez le soldat. Tu me suis? Mais comment on fait en fait pour se descendre? Ok. Attention, il y a un trou. J'ai dit tu me suis. Parfait, allez go. What? J'ai pas compris comment ça c'est que je suis mort, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a Gorgo juste derrière toi qui me dérange. Ah, les Carango, ah d'accord. Allez, ramène ton cul. Ah, y'a pas que les Garango, je crois, y'a aussi ces. Et ces espèces d'oiseaux là qui font mal. Ouais, un oiseau. Putain. Sale. Un oiseau qui... J'ai envie de me suivre. Oui, mais c'est un oiseau qui m'a attaqué. Je peux pas venir. Oh, chasseur de l'arche. Je pensais pas mériter une telle escorte. Il y a un de ces tarés qui s'est enfui avec un cœur énergétique. Sans lui, sans que tu arrives. Mouu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 u
Deuxième mort. Quelle habitude. Oh là, vous quittez pas. J'aurais quitté pendant. Ah merde, je vais recommencer. Bon, bah, à mon tour. Monte dans le véhicule. Par contre, tu n'as pas de bouclier sur toi. Je sais pas ce que t'as fait, mais. J'ai plus de bouclier. T'as pas de bouclier là. Ah non. Putain de. Ça m'étonne que t'arrêtes de mourir. T'as voulu changer le bouclier tout à l'heure, je pense que t'as oublié d'en remettre un. Non, c'est juste que j'en ai plus du tout. En fait, je t'ai passé le bouclier. Ah, j'ai fait le con. Ou à moins qu'on me l'a volé, je ne sais pas. Voilà, ça m'étonnerait. On n'a pas encore ceux qui peuvent les voler. T'as qu'à venir me rejoindre, il y en aura bien ici. Tu cours jusqu'à moi. Et c'est ces oiseaux qui se font mal, hein. Ici. Putain d'oiseau. Je vais pas pouvoir récupérer à cause de l'oiseau. Mais je t'ai dit, évite-les, cours jusqu'à moi. Attends, je vais récupérer. T'en fous. Ok, c'est bon, j'ai récupéré mon bouclier. Carogo. Allez, viens jusqu'à moi. Oui, je lag. Wouah. C'est parce que je lag en fait, c'est un truc de fou. Ok, j'arrive. Je sais plus du tout où est-ce que je dois aller tellement que je suis perdu. T'as une petite flèche sur ta map en gauche, en droite, t'as juste à la suivre. T'es pas loin. J'ai un Gorogo qui me suit, je crois. Trop loin. La résistance a perdu un homme bien aujourd'hui. Mais je suis sûr que Reiss aurait été heureux de voir la raclée que vous avez mise au sans-pitié. C'est épique les armes électriques. J'ai besoin de santé. Et le bouclier est peut-être plus puissant. Non. Je l'ai évité de justesse, hein. J'ai monté le niveau de justesse en fait pour t'expliquer. J'allais crever. En fait, le but c'est que je m'améliore réellement à l'utilisation des manipulations. J'ai vraiment pas, en fait, j'ai pas vraiment joué à ce type de jeu quand j'étais plus jeune. Donc tout ce qui est Call of et tout ce qui est FPS et ainsi de suite, j'en ai pas vraiment joué. J'ai un peu de mal, enfin même pas un peu, beaucoup de mal à jouer en fait. Et ça va pas tarder à être la fin de la vidéo. J'ai l'impression de faire un jeu, on va essayer de voir pour faire des... Attends, j'ai des...
J'ai obtenu des nouveaux talents. Donc, qu'est-ce que je fais augmenter? Ma vitesse encore une fois de dégaine ou pas? Non, pas de recharge. Cadence de tir plus 5 et vitesse d'échange d'armes. Dégâts coup critique. J'arrive. Message pour Sanctuary, le bastion ultime de la résistance. Pandore, telle que vous la connaissez, le chaos, les pirates, etc., c'est terminé. Faites-vous une raison, nous allons entrer dans une ère régie par l'ordre. La paix. Et je vous promets une mort rapide. C'est sûr que c'est la paix qu'il va nous donner, lui. Il te plaît, mon discours ? Non. J'ai menti sur la fin, au fait. Je vais prendre tout mon temps pour vous torturer, racaille de bandit. Je vais prendre mon pied aussi. D'autant plus que... je vais m'arrêter là. J'ai un petit secret qui... Roland, non, c'est toi ! Oh, c'est le chasseur de l'arche ! Montez, Fissa ! Le système écho de Roland ne répond plus, on a besoin de votre aide ! Début du voyage déjà. Putain, t'es si loin. Mais t'as une vitesse de combien? Faut 10. Et pourtant je suis limité parce que je lag via Taco. Ouais. Bon, je propose. Ah, on vient d'entrer dans Sanctuary. Ouais. On va voir le monsieur qui a aidé les voitures et puis on va arrêter la vidéo à cet endroit là. Donc pour la prochaine vidéo, on va faire un truc. À Bandiville. Ça sera un plaisir. Le commandant Roland nous a parlé de vous. C'est vous qui avez survécu à Jack. On a sérieusement besoin de votre aide. Mais chaque chose en son temps. Branchez ce cœur énergétique sur le générateur du bouclier. Ça devrait durer un jour. Appuie sur tab. Tiens-toi droit, il y a un chasseur de l'arche qui arrive. Ouais. Ouais, non, déjà dans. Si tu vas dans tes missions, donc c'est L, tu peux pas choisir des armes? Si, j'ai déjà fait, j'ai pris. J'en ai pris un celui du dessous, je crois. Mais bon, ça vaut pas les deux flingues que j'ai. Donc voilà, nous allons voir le mécano. Merde, je veux dire, flûte. Roland a besoin de ton aide. Sans toi, les pillards écarlates n'ont aucune chance contre Jack. S'il te plaît, essaie de trouver où est passé Roland. Sanctuary. Waouh. Oh, cross. C'est chez Hyperion. Il paraît que vous êtes tous des robots et que vous bouffez la ferraille dans les poubelles. Je savais que votre bande de machines à tuer viendrait me chercher après le départ de Roland. Si tu veux me faire la peau, faut que je te dise... Tu m'auras jamais vivant, saloperie de robot. Autoloc. Minute. Je veux bien qu'on me pende par les pieds à un poteau électrique, qu'on me couvre de miel et qu'on m'abandonne aux hyménoptères affamés. T'es pas un robot du Périou, t'es un chasseur de l'arche. La vache. C'est encore mieux qu'une licorne. Ah la licorne, j'adore. Bon, faut lui parler, c'est ça? Ouais. Bon, allez, je lui parle. Tu vas nous filer un coup de main pour Roland? Les gars des pillards écarlates en ont causé devant moi. Roland m'a dit que s'il disparaissait, je devais déclencher le plan B. Que j'appelle le plan transformer la ville en une putain de forteresse volante qui balance des grosses têtes. J'ai des cellules énergétiques là. T'en auras besoin. Ah, et tiens, de l'iridium aussi. Waouh. Santé. De l'iridium. Il a dit donc, mec, t'es cher. T'es riche. Donc voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Prochaine vidéo, on va essayer de s'entraîner un petit peu pour essayer que je fasse plus de dégâts rapidement pour éviter de.
crever comme une comme un andouille. OK, allons au centre de la ville. On va brancher ces deux cellules sur les amorces d'allumage. OK. Il t'en faudra une troisième, et c'est pour ça que je t'ai donné ce caillou. Tu vas acheter une cellule au marché noir d'heure. Mais fais gaffe, c'est un gros malade. Un jour, il m'a bouffé une bagnole. Ouais. En entier. Oh putain. Juste avec une fourchette. What? Avis aux bandits de Sanctuary. Il paraît qu'un chasseur de l'arche a posé ses valises. Oh, alors disons qu'il fait... Vous inquiétez pas, personne va vous dénoncer. Vous êtes notre seul espoir contre Jack. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. On va s'entraîner pour le prochain épisode. Enfin, je vais m'entraîner surtout parce que Revan n'en a pas vraiment besoin. D'accord. Voilà, donc à ciao tout le monde. Bye. Salut. Bon, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, ainsi de suite, hein. Ciao.